Attends, c'est toi qui viens de respirer dans ton micro ou pas? Non. Il y a quelqu'un juste ici, oui. Il y a quelqu'un juste là, il l'a. Salut et bienvenue dans ce 8ème épisode de Sky Defender. Pour rappel de l'épisode précédent, nous avons perdu un équipier que j'ai ensuite vengé. Mais tous les attaquants sont en train de se diriger vers le centre. Il ne manquerait plus qu'ils arrivent les 5 en même temps. Épisode à nouveau très important aujourd'hui. J'ai quand même peur de ce genre de structure là, j'ai tellement peur qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur en fait. Laisse aller tout seul. Bah ouais. On le regarde. Il y a de l'XP ici, hein. Il y a de l'XP, les gars. Il y a de l'XP ici. Hein. Comment ça, il y a de l'XP? Bah là, j'ai des niveaux donc. Comment ça, il y a de l'XP? Il y a pas d'XP? Oui, je l'ai ramassé, c'est normal. Ah, j'ai plus de pioche d'ailleurs, si Magic, tu peux. Le feu, ouais. Il. Parce que regarde, le feu, il s'enlève ou pas? Je crois qu'il n'y a pas de propagation, mais il reste au sol. Ouais, mais de toute façon, tu peux. Au moins faire ça, ouais, tu mais vois. Ils vont le casser. Ouais, mais c'est toujours ça, tu vois. Yes. On sait jamais. Pour faire peur, c'est pour dire, hé! Hey, vous avisez pas d'entrer dans notre demeure. Ouais. Andy, c'est vraiment le meilleur. Bon, c'est à la fin du jour 7 bientôt. Putain, décidément, toutes les séries font entre 7 et 8 épisodes. Décidément. Ouais. Ce sera peut-être merci le dernier. Merci du coup d'avoir regardé cet épisode encore une fois. Ouais. On se retrouve pour le suivant soon. J'espère que ça vous a plu. Dans 10 secondes, on coupera. Et en attendant, on peut peut-être se faire sauter dessus. Du coup, ça se trouve, on va peut-être mourir dans les 10 secondes qui restent. Regardez. Attends, il y a un mec en sneak quelque part. J'ai entendu, merci à tous. Bye tout le monde. Allez, sors de là. Et bonjour. Allez, sors de là, on t'a entendu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Nem, je pense. Fais gaffe, t'es solo dans le trou là. Ouais, je suis là, t'inquiète. Je suis souvent solo dans les trous. Hein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour l'épisode 8. Ça. Moi, j'aimerais bien qu'on termine vite. Attendez. Parce que je suis pas sûr qu'ils vont continuer à livrer Uber Eats après-midi. Viens, Magic, viens. Venez, les gars, venez. Et demain, j'ai un tournage, hein, moi. Bonjour. C'est Sif. Oui. C'est le dieu. On fait tout pour te venger. Ouais, mec. Mec, je suis trop dégoûté pour toi, genre. Tu peux continuer à parler alors qu'on est mort. J'ai tué quelqu'un. Si toi, t'es pas OP, t'as pas le droit avec Sios. Voilà, allez. Bah, on en parlera après. C'est gentil, merci. Bonne game. Moi, je rigole avec Sios, je rigole. J'ai quand même peur. Ouais, ok. Mais ouais, ils ont tout fait péter à la TNT en fait. Eh, Vexios, tu m'écoutes? Moi j'ai une question, si tu m'écoutes. Info, Nems tout seul, 0-0. Go direct. Qui est-ce qui m'a posé une question? Pourquoi vous avez fait péter la bannière? Ils ont pas compris le jeu. Ah, mais c'est pas moi qu'il faut demander ça. Frigel? J'ai dit que je dirais rien moi. Je veux pas de. Ah, putain, ils vont se regrouper. Oh merde, y'a Lib et Nems, c'est quoi? Y'a Lib et Nems, ils sont ensemble là-bas. Ok, alors, soit on les laisse monter, on essaie de les shoot et on les fait tomber. C'est une stratégie. Ouais. En soi. On fait comme ça? Ok. Attends, mais je te rappelle qu'il y a toujours quelqu'un ici. Hein. Je te dis tout de suite, il y a un mec ici. Je l'ai entendu donc. Tu sais que c'était pas un spec, genre qui faisait son outro, c'est le Vexios ou un truc comme ça? Moi je pense que. Non, mais lui il peut se mute. Tu crois vraiment que tout le monde se muterait, mec? Qui que tu sois, on t'aime. Par contre, les gars, faites gaffe parce qu'ils vont monter, du coup, faut qu'on scrute leur. Le mieux, c'est peut-être dans la salle des coffres. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais je pense que de la salle des coffres, on les verra pas. Mais je suis d'accord avec toi. Magic. Je vais dans la salle des coffres. Magic. Ouais, je suis là, t'inquiète, vas-y. Franchement, par contre, si on arrive à l'épisode 9, j'ai jamais fait de record. Attends, c'est toi qui viens de respirer dans ton micro ou pas? Non. Bah, oui et non, je sais pas, je respire, c'est mais quoi, pas ce truc, là. C'est quoi ce truc là? Il y a un cheval. Attends. Venez avec moi, les gars, venez avec moi, surtout. Oh, il y a quelqu'un juste ici, oui. Il y a quelqu'un juste là. Là, il est entré dans la salle des. Regarde, là, il y a un trou, il y a quelqu'un qui peut passer juste là. Attends. Comment ça, il y a un trou? Non, là, attends, ici, par ici. Coupez-moi ce truc là. Attends, poussez pas. Il y a un cheval en bas, les gars. C'est quoi cette eau de merde là? Les gars, il y a quelqu'un dessus. Hein. Je vous le dis, il y a quelqu'un. Non, là, c'est moi qui viens de remettre de l'eau, je crois. Bon, fuck that shit. Pas la speed. Non, t'inquiète. Okay, on reste là ou on remonte? Je pense qu'il vaut mieux remonter. Au cas où. Pardon, merde. Par là, Magic, de l'autre côté. L'eau, elle est par là. C'est quoi ce délire? Il y a de l'eau. Archi confiant, hein. On va pas se le cacher, je suis pas très confiant quand même. Oh, y'a quelqu'un qui chuchote là, juste à ma droite. Chut. Juste là-bas. Ils sont là, ils sont en dessous de la forteresse, j'ai vu. Ils sont au niveau de nos salles des coffres. Mmh.
Vu. Mais tu t'as fait descendre. What? Vas-y, vas-y, prenez-le. Oh, ouais, bon, après j'ai des speed, les gars. Moi aussi, t'inquiète. Bon, salut. Comment il est mort, Nems? Aucune idée, gros. Je sais pas, même si il a dit what. Le chute? Ah ouais. Allez, c'est le moment là. Il est où? C'est quoi ça? Il y a des poisons là? Je sais même pas, gros. Mais il y a droit à toutes les potions, ouais. On arrive. Ils ont tellement bien joué à monter par là. Oh, je m'y attendais tellement pas. Faut faire gaffe, hein, il a du très bon stuff. Enti, il est derrière, hein, mais... Vas-y. Nice. Nice, GG. GG. Récupère les potes et tout. Okay. J'ai des jambières, protection 3. Tac, j'ai son épée. Speed. Oh, le tac. Protection 3, ouais, de ouf, mec. En vrai, c'était ceux qui me faisaient le plus peur. Bon, on est 3 contre 3. Hein. En vrai, Jambière protection 3, vrai... tu veux protection 3, Jambière? Ouais, en vrai, je veux bien, ouais. En vrai, on leur fait tiens. Pas dire de faire un 3v3 contre nous, au pire. As you want, mec, as you want, as you want. C'est toi le chef. C'est pas moi, c'est Sifano qui décide, mais. J'ai un torse P3. Mais c'est pas toi aussi. Qui décide. Moi, ça me va si on leur propose au pire un 3v3 hein, pour finir. Ouais, vas-y, go 3v3. On est full popo. Attends, il faut aller looter Nems. Faut aller looter. Ah, ouais, t'as raison. Vas-y, attends, NT. Du coup, moi, j'ai une Shark 4 Fire Aspect en. Ah ouais, d'accord, et t'as pas une autre épée un peu... J'avais la Sharp 4 que j'ai lâché là-bas, mais tu t'en as déjà une de Sharp 4. Ouais, j'en ai déjà une. Finalement, ce combat s'est plutôt très bien passé pour nous, même si j'avais extrêmement peur du stuff en face, d'où la potion de poison que j'ai utilisée à cette occasion et qui a plutôt bien fait son taf. Un truc intéressant à noter, c'est que Nems en avait également dans son stuff, on peut le voir en bas dans la chute d'eau quand j'ai atterri. Mais alors, comment est-il mort? Et je me suis posé la même question. On peut voir qu'il meurt sur un bloc de bois alors qu'il n'y en avait aucun au moment où il a sauté. Ma théorie du coup, c'est qu'un autre joueur aurait posé ce bloc une demi-seconde avant qu'il tombe dessus, puisqu'il apparaît bien au moment où Nems meurt. Après, aucune idée si c'était Magic, NT ou même pourquoi pas Lib, en rush sur Magic, ce qui me semblait le plus probable à ce moment-là. C'est surtout un grand manque de chance pour lui et une énorme opportunité pour nous, ce qui nous a permis de gagner ce combat en en sortant indemne. On l'a bien vu, quoi. Hein. Ouais, mec, de fou, hein, en vrai. Hein. En vrai, GG. T'es un gros, ouais. Mais mec, j'ai vraiment cru que t'allais mourir, par contre. Hein. Je vais pas te cacher que j'avais moi, vraiment moi, cru que t'allais mourir. J'avoue, j'ai pris pas mal de dégâts, mais genre, ça va, tu vois, j'ai. Ça va, Nancy, tu t'en sors? Oui, juste pour vous dire, j'ai plus de popo de force, hein, moi. Ah, tiens, je t'en redonne, tiens, prends tout ça. Merci. T'es là, on. Mec, quand t'es tombé, je me suis dit. Chaud, là. Quand je t'ai vu tomber, je me suis dit, t'es mort. C'était. Non, je suis tombé, j'ai vu qu'il y avait de l'eau en fait. Du coup, pour moi, ça va, tu vois, j'ai même pas sorti le saut. Mais par contre, j'ai pas compris comment même s'il est mort, hein, par contre. Hein. Là, j'ai pas pigé. Là, il est mort juste là, dans l'eau, là. Mais comment il est mort de chute? Il est tombé juste ici, là, regarde, là, il y a masse potion, là. Regarde. Ah, il est tombé sur le bloc. Ouais. Oh putain, il avait des poisons lui aussi, gros, regarde, il avait des poisons. Ouais, il avait tout. Ça donne quoi niveau stuff là? Moi, il me manquerait un. J'ai un inventaire qui est full potion, mec, c'est un délire. Ah, il avait fait les poissons aussi, ouais. Si j'en ai une aussi, mais bon. En dessous, moi, je suis P2, P3, P1. Ça donne P2. Quoi niveau potion de votre côté là? Moi, j'ai 2 speed, 2 force, 2 régènes. Oh, là, le mec, j'ai mon inventaire, il est complètement rempli de potions. Mais genre complet. Genre, ah ouais, tout attends, dans mon inventaire. Ma stuff là? Hein? Ah, mais ça m'a monté en haut, merde, je suis con. J'étais pas prêt. Vous voulez 3v3 au pire? Ça ne nous dérange pas, non, en vrai ça va. Ouais, ça nous dérange pas, ça, c'est surtout même en gros, en termes de niveau, en fait, ça va quoi. Le souci c'est que là, on voit vraiment, genre, une fois qu'en fait on commence à accumuler le stuff, bah en fait ils peuvent rien faire, les défenseurs en fait. En haut, par contre. Non, mais tu sais qu'une fois qu'on commence à accumuler le stuff, eux ils peuvent plus rien faire, regarde gros, on était intuable là. On est P3, j'ai une Sharp 4 Fire Aspect. Et puis les forces, on est pour eux qui peuvent s'allier que maximum à 2, ils pouvaient rien faire, tu vois ce que je veux dire. On fait quoi, on va en haut, on reste en bas? Bah, on va faire un tour en haut si ça vous fait plaisir. Vas-y. Attendez, c'est pas fini. Hein. Non, mais moi, ce que. Eh, vous savez que je suis avec vous, hein, vous le savez ça. Hein. Ça veut dire quoi ça? Bah, vous êtes pas à l'abri que je vous mette une flèche dans le crâne sans faire exprès. Pas de soucis, Magic, il m'a déjà mis une flèche pendant notre combat. Ouais, mais en vrai, c'est contre Fuka, la flèche, elle t'a fait aller vers lui, tu vois. Donc en vrai, c'était worse. Et toi, tu m'as mis un coup en sortant d'ici, tu m'as enlevé mon abso. Tu comment on parle ou pas? Parce que. Là où non. Ouais, non, mais mec. D'ailleurs, tu peux me dire combien. Attends, juste, t'as pas d'abso là, on est d'accord? Non, j'ai pas d'abso. Comment ça fait ça? Deux cœurs.
Vas-y, et combien ça fait ça? De 1 cœur et demi. Ah ouais, ouais. P3, P2, P3, P3, j'ai... Moi j'ai je suis full P3 sauf le casque. T'as la potion de force sur toi? Ouais, attends, on refait. Attends. 1 cœur et demi. Ah c'est tout putain. Bah 2 cœurs. C'est bizarre. Ouais, mon épée plus puissante frichée, l'overkill. Ah putain de merde. Et voilà. Nice. Chope-le. Il a un demi-cœur. Bah merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh non, t'as suivi. Bon, faut qu'on parle de ce qui vient d'arriver. Alors déjà, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est pas fini. Mais par contre, pardon, j'ai posé mon eau sur le bon bloc là. Qu'est-ce qu'elle est allée se foutre là-bas? Ah là, c'est officiellement ma meilleure mort, rien à dire. Je m'attendais à ce qu'il y ait de l'eau en bas, mais non. Oh, je suis une merde. Oh, bravo, mec. C'est le truc que j'attendais depuis 2 épisodes. Oh, t'es trop fort, mec. Ah, franchement, t'es trop fort. Là, je suis. J'ai rien à dire. Bravo. Bah, je suis tout seul. Gros GG. Oh là là. Mais non. Je suis tellement une merde. Oh, je vais m'en vouloir toute ma vie, sérieux. Je vais m'en vouloir toute ma vie de ce qui vient de se passer. Bravo, hein, franchement, bravo. Hein. Alors là, j'ai rien à dire. Tu m'as éclaté. Genre, je m'attendais pas du tout. Hein. Franchement, gros GG. C'est fou. Que... Tu sais que ça fait. En fait, en plus, d'ailleurs, Magic m'a entendu il y a 2 épisodes déjà. Ou à un moment, j'ai dit au revoir, fin d'épisode. Et vous étiez tous en mode, il y a quelqu'un, il y a pas quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah non, mais là, mec, t'as été le boss là. C'est toi qui étais là en fait. Mais oui, depuis tout à l'heure, c'est moi qui suis là. Et là, en fait, j'avais qu'une seule potion de force et elle arrivait à sa fin. Et je me suis dit, si je sors pas maintenant. Là, on a eu beaucoup trop de confiance en fait. Mais du coup, en vu, Entil est parti dans la base tout seul en bas pendant qu'on était là, on se baladait, on cherchait avec Magic. Vous étiez en train de vous taper dessus même. En fait, on testait nos épées, mais on pensait pas que vous alliez arriver vu que j'avais proposé un 3v3. Du coup, c'était le moment parfait. Ah non, mais t'as trop bien joué. Fallait que je sorte. Clairement, t'as trop bien joué là. Bon, je suis content, mais c'est fou que t'es sauté, mon gars. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis dit, il y a de l'eau en bas, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai sauté. Je sais pas pourquoi. En plus, c'est un demi-cœur, vous me tuiez là-haut parce que j'avais un demi-cœur, j'étais en feu. Non, mais tu sais que t'aurais pas eu besoin de sauter. Je m'en fous de la vie. Après, Magic peut peut-être le faire, mais ça va être tendu. Mais en tout cas, vous avez géré. Putain, je suis choqué, comment je suis trop nul, sérieux. Moi, dans ce genre de série, je fais toujours des morts de merde. Ça a toujours été, ça a toujours été mon truc. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous avez fait péter la bannière au début avec de la TNT? Non, je me suis dit, est-ce qu'on peut peut-être la récupérer, tu vois? Et je crois que c'est un peu dégénéré. Je vous jure que là, honnêtement, je suis choqué. Et en plus, je sais que vous allez être déçus. C'est pas grave, c'est partie du jeu, mais j'aurais dû douter que c'était un piège. J'ai eu tellement de confiance en moi que je me suis dit, vas-y, c'est le moment, tu vois, genre c'est le moment où on peut y aller et puis ils seront en bas, comme ça on n'a pas besoin de remonter. Et Magic, il a MLG parce que, mec, on serait morts tous les deux, ça aurait été Ekirika qui aurait gagné, Frigé, il aurait fait le triple kill, ça aurait été le boss, quoi. C'est marrant et ça relance en même temps le suspense, donc c'est trop cool pour la saison parce que du coup ça fait 2-1 et du coup c'est super cool. Non mais vraiment bien joué. Bravo, franchement bravo à Frigel qui nous a complètement bait. Bon, bah désolé pour cette fin absolument naze. On va regarder le fight final. De toute façon, bon, ce sera la fin de la saison, je pense. On va tout mettre à l'épisode 8, je pense. Hein. Là, le moment, c'est qu'à un moment, NT part tout seul dans la base en bas. En même temps, c'est normal, tu vois, qu'on parte aussi seul dans nos coins comme ça parce qu'on peut pas rester collé du début à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, mais on peut pas rester collé du début à la fin. C'est toujours compliqué. T'as toujours des moments d'inattention où tu pars dans ton coin où tu t'en rends pas forcément compte. Là, tu vois, je pensais absolument pas que Frigel allait venir. Et franchement, Magic, il avait raison. On aurait dû buter le mec en fait. Genre, on aurait dû juste buter le mec. Bon, bah c'était quand même intéressant à jouer. Je m'attendais pas du tout à ça, à vrai dire, pour jouer. Je suis forcément extrêmement déçu de ma mort parce que je m'attendais pas à mourir de cette façon là, mais au moins ça relance un peu le suspense pour la team. On va voir qui va gagner. J'espère vraiment que Magic va réussir à jouer les deux parce que s'il y arrive pas, je vais m'en vouloir à vie, je pense. C'est aussi le charme, tu vois, du truc, c'est que moi c'est ma première participation, il m'a mis direct dans un rôle qui est super important, puis forcément tu vois c'est chaud, mais il m'a dit dès le début genre t'as un rôle, il est méga important, donc voilà, ça va finir là je pense. Du coup les mecs ils sont tout en haut et Magic est tout en bas. Ok, ça y est, qui est là? Ah, merde, il est là, mais qui était en bas? Nice. Il a eu le temps de remonter, what the fuck. Allez Magic, s'il te plaît. Oui, ah, GG. Yes, GG. Oh, il est mort incroyable. Après. Oh, le cross kill. Incroyable. Ah, il y a eu le message possible de victoire juste avant que je meure. Bah ouais, parce que bon, on aurait dû redescendre, mais je savais pas que le téléporteur... Franchement, ça aurait été la saison des morts chelous. Mais mec, ça aurait été la saison des morts de merde. Ah, ouais, ah bah là mec, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit autant serré à la fin. Ouais, c'est fou parce que du coup... On dirait qu'on l'a fait exprès. Du coup, tu mets les... En plus, avec Gil aussi. Ouais, c'est bon, c'est GG du coup. Mec, on dirait que la saison a été scénarisée. Mec, gros, je veux te dire, on dirait que c'est scripté, genre j'ai fait exprès de mourir en fait, les gars. Ouais, c'est ça, tout ça pour que... C'était pour relancer un peu l'attention du truc. En fait, j'ai fait exprès de die, tu vois. Ouais. On a sauvé l'honneur pour ouais, aussi. Ouais, tu vois, si, ah, merci, regarde. Parce que alors, moi, putain, mec, j'étais au fond du trou. Tu vois, regarde, c'est ouf. T'as, par contre, t'as enchaîné. Je t'ai entendu cliquer, mec, c'était insane, quoi. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai regardé le tab, t'avais genre 3 cœurs et Ika, il était quasi full vie. Et tu l'as descendu, j'étais en mode quoi? Mec, moi, je l'ai suivi depuis tout à l'heure. Ils étaient, je crois, P4, Power 5 et tout. Hein. Ah ouais, full P4, j'ai quasi. Vu ouais. Les blocs, vous étiez P4, Pierre? Ouais, j'avais Sharp 5. J'avais Ah oui, c'est ce que je pensais, ouais. Infinity Punch 2. C'est ce que je pensais, ouais. Bon, allez, moi, je coupe mon épisode. Yes.
Bah merci à tous. Au revoir. Bah plus, merci hein. de l'invitif. Bon bah voilà, c'est la fin de ce Sky Defender. Alors autant qu'on se le dise, cet épisode aurait été la folie des morts débiles entre Nems, la mienne et Hyper qui au final n'a presque pas PVP alors qu'il avait un stuff de titan. Bref, on a fait beaucoup d'erreurs de gameplay comme j'ai déjà pu le dire. On partait souvent dans notre coin, etc. Et la plupart des erreurs viennent surtout du fait que je ne savais pas trop comment jouer finalement. C'était ma première participation, c'était authentique. Merci à tous d'avoir suivi cette série, j'espère que ça vous aura plu. Ça signe également la fin d'un rythme intensif de vidéos tous les deux jours qui dure depuis bientôt 2 mois. On va revenir à un rythme correct à présent en espaçant un petit peu plus les vidéos, mais surtout en les travaillant plus. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude dans les plannings chaque semaine dans l'onglet communauté et venez me suivre sur Twitter, Discord pour être sûr de ne rien rater. Allez, à plus.